Alors, t'en dis quoi? Oh, j'en suis folle. Tu devrais pas me gâter autant. Qui veux-tu que je gâte, sinon? Il m'a rencontré à une soirée et littéralement transporté. Je suis tombé amoureux du prénom Jasmine. Ah. Savez-vous que je n'ai jamais mis les pieds à San Francisco? Je vais chez ma sœur. Oh, Jasmine, tu es... Il est chaleureux, ton appartement. Ça a bien remué dans l'avion. Ce qu'il servait était infect. En première classe, on pourrait croire. Et je te croyais dans la dèche? Je suis sur la paille. Je te promets le fisc à tout prix. En tout cas, t'es éblouissante. Oh, qui est-ce qui ment, là? Laisse-moi gérer tout ça, ok? Mon chéri, il est magnifique. Quand elle était pétée de blé, elle en avait rien à foutre de toi. Là, elle est fauchée, d'un seul coup, faut qu'elle s'incruste. Elle est pas juste fauchée, elle est toute déglinguée. Je veux pas qu'on se paie ma tête. Tu m'entends, elle... Excusez-moi, c'est à moi que vous parlez? Ginger m'a tout dit de toi, hein. On est au top du top, et soudain, il se trouve que le mec était un escroc. Combien de temps tu comptes rester chez Ginger? Croyez-moi, personne n'a autant envie que moi de filer d'ici. Ah oui, c'est la dégringolade comparée à ce que vous connaissez d'habitude. Vous serez ravis d'apprendre que j'ai perdu jusqu'à mon dernier sou. Son mari était un sacré embobineur. Je suis restée qu'une semaine et j'ai vu qu'il draguait sa copine. Je peux pas. C'est toi qui choisis des losers. Et c'est pour ça que tu vis dans ces conditions. C'est pour ça que tu n'auras jamais un meilleur train de vie. On n'a rien à foutre de ta gueule, c'est qu'une focus. Auriez-vous l'amabilité de ne pas vous disputer ici? Bizarrement, mon Xanax tarde à faire effet. J'ai fait des cauchemars et une dépression nerveuse. Il y a une limite au nombre de traumatismes qu'on endure avant de se jeter dans la rue et de se mettre à beugler.